Ah, quelle belle journée! Chaque membre de la Pébo Family vague paisiblement à ses occupations. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas mal, on continue les gars, on continue. Allez! C'est bu! C'est bu! Yes! Yes! But de Zidane! Mais non, c'est Vinicius quand même! Ah, par contre, c'est Lewis Hamilton qui a fait la passe! C'est pas la Formule 1, c'est du foot! D'accord? C'est Valverde. Valverde qui a fait une passe pour Vinicius. Là, ça fait combien de points? 2 points ou 3 points? Parce que si en dehors du rectangle, est-ce que ça fait 3 points? Sors. Tu sors? Tu sors! Je vais sur A, les gars, je vais sur A! Bombe A, les gars! On se fait laminer là! Comment tu fais quoi là? Ça va? Oui, ça fait. Mais tu fais quoi là? Bah, je passe du temps avec toi, hein! Le sniper, les gars, sniper! J'arrive pas à avancer, moi, de mon côté, les gars. Le A, en plus, faut prendre la bombe. Hein? Hein. Moi, tu fais quoi, là? Hein? Tu t'es rajouté? Tu l'as parti, là? Bah oui, tu fais quoi, là? Ah, ben, j'ai envie de te donner un coup de main! Allez, allez, faut buter qui, là? Ok, alors, faut B. Tu vas la bomber, là? Ouais! Pah! J'ai explosé la bombe. Voilà! Ensuite! Ah, t'allais pas tirer dessus. Tu sais, j'aime beaucoup passer du temps avec toi. J'y vais. Barbecue, voilà, bacon, voilà, burger, non! Tu fais quoi? Je fais un challenge là, je suis occupé! C'est quoi le challenge? Faut que tu mettes barbecue, bacon, burger dans l'ordre. Dans l'ordre? Oui, alors bacon, non, c'est barbecue mais en plus. C'est facile, regarde! Barbecue, bacon, burger, voilà! T'as vu, c'est facile hein? Mais wesh! T'as pris combien de temps pour le faire? Eh, ça fait 4 ans que je suis dessus, wesh! Et moi, ça m'a pris 4 secondes! Vas-y, bouge, c'est bon là, ça m'a saoulé, c'est bon là! Tu regardes quoi? Je regarde la roto. Ça a l'air d'être beau ce dessin animé! Ah, alors, c'est un manga. Pas un dessin animé. Pourtant, je vois un dessin qui est animé, hein. Oula, comment ils font pour avoir de la magie? Ah, c'est grâce au chakra. Au crachat? Sors. Les gars, on en parle du fait que maman, elle est un petit peu... comment dire... Elle est chiante, ouais, c'est bon, ça me saoule, wesh. Elle fait que de coller, wesh. Elle me suit vos chiottes ou quoi? Bah ouais, c'est ça, en fait. Faut vraiment qu'on trouve une activité, parce que là, c'est chaud. Je sais pas, t'as une idée, papa? Okay. Ouais, parce que là, c'est bon, ça me saoule, wesh. Hey, j'ai fait un TikTok, elle est venue dessus, elle a fait 150 000 vues en une journée, wesh. C'est bon, wesh, elle prend la vedette. En plus, c'est vraiment pour de vrai, les gars. Allez-y sur TikTok, vous allez voir, c'est vraiment pour de vrai, je rigole pas. Ben voilà, en fait, c'est ça l'idée, les gars. On peut carrément juste de devenir une influenceuse, snapchatteuse, tiktokeuse, youtubeuse, instagrammeuse. Et comme ça, elle va devenir une vraie star. Ou pas. Bon, écoute, maman, on a quelque chose à te dire. Ouais. Papa, dis-le. Ok, voilà, comment te dire ça? Tu nous colles trop, voilà, c'est abusé. Ouais, je t'abuse. Faut le dire. T'es vraiment une mère formidable, tu fais déjà énormément de choses pour nous. Et voilà, on s'est dit que tu vois, comme enfin, c'est pas parce que tu t'ennuies qu'on dit ça, mais c'est si. Que, voilà, en fait, il faut que tu montres au monde entier ce qu'est le quotidien d'une maman, tu vois. En gros, il te dit de, tu vois, d'être influenceuse, tiktokeuse, instagrammeuse, youtubeuse. Comme ça, justement, tu te vlogs, tu filmes ta vie quotidienne. Oui, voilà, comme ça, tu pourras devenir un modèle pour les mères. Ouais, parce que là, on a la mère de Rabiot. Ah ouais, j'avoue, c'est plutôt intéressant. Comme ça, je pourrais avoir ma propre communauté et être la déesse des mamans. C'est parfait. Je serais même plus haut que Michelle Obama et plus haut que Anne Hidalgo. Ah non, ça, c'est facile, ça. Bien joué. Attends, j'ai des idées. Merci les gars, vous êtes au top. Et le début de l'aventure commence. Ma famille m'a conseillé de faire une vidéo pour parler des mères. Et le truc, c'est que direct, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur dire? À part qu'on est incroyable. On donne la vie, on s'occupe des enfants, on travaille aussi. Et aussi d'aller des mères au foyer. C'est pas évident, c'est pas un métier facile. Je dis métier parce qu'en fait, compte, on se dévoue pour s'occuper de notre famille. Le mari, les enfants. Et nous alors? Qui s'occupe de nous? Je pense qu'il faut que les gens... N'oublie pas que la femme c'est sacré, la mère de famille c'est sacré. Même les vaches en Inde sont plus sacrées que nous, c'est pas normal ça. Je pense que pour être mère, il faut qu'on soit payé. Peut-être pas en thune, mais en amour. La première vidéo de Mauro est un franc succès, un succès planétaire. Elle est incroyable, tout le monde l'adore. Mais maman Bro ne sera plus jamais la même. Hein, Steve? Oula, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien là? Juste une histoire avec une meuf. Hein, voilà. Ben, ma mère à toi. Pourquoi? Ça, elle est pas intéressée, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi. Parce que t'es une merde! C'est pas ça, non, c'est méchant. Ah, mais déjà, t'as pleuré comme un boulot hier soir. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas parlé plus une meuf, moi, j'ai pas pleuré pour ça, moi. Oh, regardez la vidéo, les gars! Maman, tu fais quoi là? Regardez! Mais d'où t'as la vidéo? Mais maman, mais arrête! Arrête ta maman! Mais arrête! Maman, arrête! Les gars, je vais vous montrer comment on humilie quelqu'un en quelques secondes à leur propre challenge. Wesh, arrête de me suivre là, c'est bon! Allez, vas-y! Ah ouais, c'est bon là! Pomme, ananas, raisin! Vas-y! Pomme, ananas, raisin!
Mais dégage en fait. Maman bro, la déesse des mamans. Tant adorée et pourtant tant détestée. Ouais, c'est pour ça que je veux être un vrai modèle pour les couples et Chérie. Oui chérie. Elle est où ma ceinture? Ah mais là j'ai jeté dans la poubelle. T'as fait quoi? Bah ouais, t'es dégueulasse. Ma ceinture. Mais non, ma ceinture. Oh, ma ceinture. Elle est où? Elle est où bordel? Mais non, je rigole. Tiens. Elle est là. Il fait pitié lui hein. Même papa bro est terrifié. Ah non, il faut un truc encore plus fort qui peut attirer encore plus de monde. Oh, j'ai trouvé. Et tu sais, Olivier, tu sais que Naruto, c'est surcoté et que One Piece, c'est le meilleur. Carrément, Naruto, ça passe sur Tefu après Teletubbies. Il est énervé. Il est énervé. Oula, regardez. Ah, c'est l'arrivée du méchant. Oula, ça fait longtemps, dis donc. Ça fait longtemps. Une star. Là que si t'as compris la ref. Elle est devenue complètement folle. Carrément, elle défie l'homme le plus méchant. Mais que lui arrive-t-il? Présentez-vous, maman bro. Je suis vraiment une déesse pour les mamans. Je suis la mère parfaite. Je suis une star, je suis un modèle. Je peux tout faire. Marcher sur l'eau, donner la vie, retirer la vie, je peux tout faire. Ça dérange pas votre famille d'être humiliée ainsi? Ah non, non, ça les dérange pas. Pourquoi ça les dérangerait? Je fais ce que je veux. Je les humilie, ça me rapporte de la thune. On a créé Chétan, wesh. Ah, la phrase des films américains, wesh. Ouah, les armes, je vais aux Oscars, wesh. Eh, mon taf, le montage, hein. Alors, maman, comment te dire ça? On a un truc à te dire. Papa, dis-le. T'es pas d'humeur, je pense. Ouais, toujours pas. Bref, alors, maman, ce qu'on veut te dire, c'est que voilà. Maman, je pense t'es que. T'es une mère indigne. Non. T'es dégueulasse. Non, Olivier, dis pas. Non, il faut dire la vérité. T'es dégueulasse. Là, carrément, j'ai envie de vivre dehors, mais carrément. À la rue. Ah non, il faut lui dire la vérité, ça. Dégueulasse. Non, mais il faut lui dire, il faut qu'elle processe. Tu nous humiles, tu humiles tes propres enfants sur internet. Notre mère. Je m'en fous, c'est ma mère, c'est une personne. Je pète, elle pète, une béton, frère. Quoi, mais t'es malade, c'est notre mère, t'es malade ou quoi? T'es dégueulasse. Oh, ça fait du bien. Ouh. C'est comme un rô qui t'est coincé. Tu sais, quand tu bois du soda. Tu sais, t'es un rô ici et. T'as fini ça? Ah non, ça fait du bien. Tu pleures? Pleure pas! Pleure pas! Mais non, pleure pas! Pleure pas! Pleure pas! Pleure pas! Pleure pas! Pleure pas! Maman, c'est pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi elle pleure? Mais t'es comme tu as parlé aussi, frère? Mais non, j'ai dit la vérité, c'est rien. J'avoue, j'ai pas été moi-même. Ah, mais tu vois. Je comprends, je vous ai délaissé. Je suis vraiment désolé. Je recommencerai plus. Elle le reconnaît aussi. Mais j'ai quand même besoin un peu de temps pour moi. Ouais, je venais, on la laisse un petit peu, ouais. On va laisser les gars. Merci beaucoup. T'es dégueulasse, n'oublie pas ça. Oui, merci d'avoir rajouté. C'est pour le processus, t'es. Quel processus de développement personnel. Comme dans le secret, ouais. Tu connais? Oui, mais je connais. Il y aura les deux en plus à Will Smith, frère. Tu racontes, je te jure. C'est pas un blockbuster, mon pote. T'es dégueulasse, t'es dégueulasse. C'est bon. Au revoir.